Namasté les amis, ça veut dire bonjour en Inde, enfin plus précisément je te salue. Voilà, c'était le petit cours de langue du matin. Donc là on est le mardi 18 avril et il est 10h30. Je suis en train d'attendre mon chauffeur parce que j'ai un casting à aller passer. Je crois qu'on est à peu près 45 minutes, 1 heure pour y aller. Donc ça va être un peu long. Je sais pas trop comment ça va se passer. On croise les doigts comme d'habitude pour les castings. Hein. Et puis hier soir, il y a ma coloc qui m'a dit que j'avais été prise pour un job. Donc je suis trop contente. Ça va être mon premier job en Inde, à New Delhi. Et ça va être le 1er et le 2 mai. Je crois que c'est pour un défilé. Donc j'ai trop hâte. Bon, et sinon, hier soir j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir parce que, à cause de la clim notamment et de la chaleur. Si je mets la clim, bah, j'ai trop froid. Si je mets pas la clim, j'ai trop chaud. Puis en plus de ça, il y a les moustiques. Enfin bref, c'est un peu compliqué de dormir ici, là. Mais bon, je pense que je vais m'y faire. Si vous avez des techniques, n'hésitez pas à me les donner. Je suis preneuse. Voici la météo de la semaine. Et la météo du jour, il fait 36, c'est brumeux comme d'habitude. Mais grand soleil et 40 degrés, ça va jusqu'à 44 quand même. C'est quand même incroyable. Là, il est 10h30, je suis déjà en sueur. Alors là, les amis, je vous explique, on vient d'aller chercher un mec, un mannequin qui vient d'arriver sur New Delhi. Il est roumain, il a 27 ans, j'ai essayé de parler avec lui, ça va, je le comprends bien. Et on l'a déposé à son casting et ensuite, on va au mien. La pause repas apparemment là. Bon là on est dans un endroit bien sympa. C'est un peu un genre de centre commercial. On va aller manger après les deux castings et cet après-midi je crois qu'on en a encore un. Il fait très chaud. Ares, say hello to friends. Hello. C'est le mannequin roumain. J'ai trouvé un truc français apparemment. C'est des produits, mais c'est des produits genre des pâtes, du pain, des pizzas. Je sais pas s'il y a des salades ici. C'est très dur de choisir à manger là. En fait, c'est comme un Subway. On a fait des sandwichs et j'ai pris un truc à la viande. J'en profite. Enjoy your meal. Bon bah voilà, j'ai fini ma journée. C'était voilà, épuisant un petit peu. Puis en plus de ça, bah là j'arrive chez moi et puis j'ai pas les clés. Donc je suis enfermée dehors. Mes collègues ne sont pas là. Donc je les ai appelées. Elles m'ont dit qu'elles arrivaient dans 10 minutes, donc ça va. Et heureusement, j'ai de quoi me ravitailler parce que je suis passée à la salle de sport avant. Juste pour prendre un petit jus de fruits à la pastèque. Il est super bon. Il fait une chaleur à en crever là dans cette cage d'escalier. Donc j'espère qu'elles vont arriver vite. J'en peux plus de moi. J'en peux plus. Bon, je suis toujours là. C'est 19h. Ça doit faire une demi-heure que j'attends. Évidemment, j'ai fini mon jus de fruits. Et j'ai bientôt plus de batterie sur le téléphone. La totale pour bien finir cette journée de ouf. Vite qu'elles arrivent. Elles sont dans le trafic là, enfin dans les bouchons. Donc c'est pas gagné. Du coup, c'est l'occasion de vous montrer la façade de mon immeuble. Magnifique. Attention, ça, c'est du luxe, ici. Putain, mais c'est pas possible, il m'arrive toujours de ces trucs quand je suis toute seule. Je fais des allers-retours entre dedans et dehors. Je vais aller m'asseoir dans la cage d'escalier. You save me, but you save me now. Le repas de ce soir est prêt. Donc en entrée, c'est les œufs que j'ai pas mangé à midi. Je les avais préparés hier soir et à midi, vu qu'on a mangé dehors, du coup je les avais pas mangés. Donc voilà, c'est une bonne source de protéines. Là j'en ai fait 3. Des concombres, une moitié de tomates. Ensuite il y a des nuggets de poulet que j'avais fait hier soir aussi. Il m'en restait quelques-uns et j'ai mis des pâtes avec de la sauce tomate.
C'est vrai qu'au niveau protéines, c'est pas top parce que il y a vraiment pas beaucoup de choix ici. Il y a juste du poulet, des œufs. J'ai trouvé que ça pour l'instant. On m'a dit qu'il y avait du poisson, mais j'en ai pas encore vu et ça doit être assez cher. Sinon, j'aimerais bien trouver du thon en boîte, mais j'en ai pas encore vu. Bon app! Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le mercredi 19 avril et ça fait déjà une semaine que je suis en Inde. Ça passe vite, hein, dis donc. J'ai fait pas mal de trucs déjà. Je crois que tous les jours, j'ai fait un truc, donc c'est cool, c'est ce que j'aime. J'aime bien quand ça bouge, moi. Et là, je suis en train de manger un sandwich. Sandwich de la salle de sport au poulet. J'ai pris sans épices, évidemment, parce que j'aime pas. Et c'est plutôt pas mal. Il y a d'autres sandwichs, mais je les testerai dans les prochains jours. Je sais qu'il faut pas parler à la bouche pleine, mais bon. Aujourd'hui, sinon, rien de prévu. Pas de casting, pas de shooting. Je sais pas si je vais aller à la salle de sport. Bon, les amis, là, il est 18h30. Et je ne suis toujours pas sortie de chez moi. Je ne suis pas allée au sport. Franchement, je crois que j'ai trop la flemme. Il fait trop chaud. Et puis j'ai encore des courbatures du yoga de l'autre fois. Souvenez-vous, j'en ai fait. Et donc c'était il y a 2 jours, mais j'ai encore mal aux jambes. Mais bon. Et du coup là, je mange de la glace. Au lieu d'aller au sport, je mange de la glace. Parce que c'est notre patron qui nous a ramené 2 pots de glace entiers. Il est trop sympa, mais bon. C'est pas très bon pour la ligne quand même. Mais ça rafraîchit bien. Non mais voilà ce qu'on me fait goûter aussi. Les mannequins, allez. C'est mes colocs qui me font goûter ça. Un truc bien gras. Mais c'est trop bon. Bon, ce soir c'est la première fois que je me fais des légumes. J'ai fait des petits pois que j'avais achetés il y a quelques jours là. Et une grosse salade et quelques pâtes. Bon les amis, vous avez vu hier, j'étais coincée dehors et là j'ai retrouvé mes clés. Ouf! En fait, c'est ma coloc qui les avait pris, elle en avait 2. Donc heureusement, elles sont pas perdues. C'est la bonne nouvelle de la soirée. Et là, je suis en train de terminer la vidéo de Harry Potter avec mon frère. On a mangé les bonbons Harry Potter. Elle dure 25 minutes, elle est super longue, mais franchement, c'est trop marrant pendant tout le long. Je vous montre un petit extrait. Qu'il fait lui? Ah bah lui aussi il va acheter des cigarettes du coup. Et moi je suis toujours seule au monde hein. Moi on me laisse toujours seule au monde dans la voiture, c'est grave ça. Je vais me faire agresser un de ces quatre.